Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, c'est le dernier séminaire sur le thème des sciences participatives où le Centre d'Alembert tente de répondre à la question qu'apportent les sciences participatives aux pratiques de recherche. Et aujourd'hui, nous recevons deux intervenants, Bertrand Boquet et Cyril Fiorini. Donc Bertrand Boquet travaille à l'Université de Lille et puis il effectue ses recherches au CNAM. Il dirige la boutique des sciences et en plus, Bertrand Boquet a un profil double puisqu'il est à la fois physicien, électronicien et il effectue désormais des recherches autour des sciences humaines et sociales, de l'épistémologie, de l'histoire des sciences. Et donc, c'est lui qui va intervenir pendant une trentaine de minutes environ, puis ce sera Cyril Fiorini qui interviendra. Donc, merci Bertrand, et je te laisse tout de suite la parole. Merci beaucoup pour l'invitation. Hein. C'est toujours un plaisir de pouvoir exposer un peu ce que l'on fait. Alors, donc, ma présentation, ça va s'intéresser à une approche, une démarche de recherche action participative pour essayer de fluidifier finalement les coopérations entre chercheurs et acteurs et que ces coopérations soient les plus réciproques possibles. Alors, je vais commencer par quelques éléments de contexte qui m'amènent donc à développer ce champ sciences et participation pour rentrer donc sur les thématiques plus méthodologiques et deux dispositifs également autour de la boutique des sciences, qui est donc un élément qui va permettre cette rencontre entre chercheurs et acteurs. Et puis j'en tirerai quelques enseignements au vu de l'expérience acquise et des perspectives. Alors, le contexte dans lequel je suis, hein, c'est celui des Science and Technology Studies, des études sur les sciences et les techniques, c'est-à-dire en gros comment les facteurs sociaux, économiques, écologiques, politiques ou culturels interviennent dans les recherches et les innovations et inversement. Dans ce champ-là, il y a eu beaucoup de travaux donc autour de la conceptualisation de la fabrique conjointe finalement de l'ordre des savoirs et de l'ordre social. Et puisque je suis chercheur au CNAM, je ne peux pas ne pas citer Jean-Jacques Salomon, qui est l'initiateur en France de ce champ interdisciplinaire, de ce champ d'études, au tournant des années 70. Et aujourd'hui, un petit peu, en fonction des connaissances acquises dans ce champ, eh bien, c'est un petit peu comment on peut dépasser la limite des études pour eh bien, utiliser ces connaissances pour faire autre chose. Alors, deuxième élément de contexte, donc, c'est celui des rapports entre sciences et société qui sont ici décrites de façon particulière. Donc, je m'appuie sur le livre de Christophe Bonneuil et Pierre Benoît Joly, hein, Sciences, Techniques, Société, qui avait mis en avant cette thématique des sciences en société. En fait, il s'agit de se positionner en tant que, pour la recherche, une activité humaine finalement coévoluant avec d'autres secteurs de la société et finalement ce qui fait communauté, ce qui fait la frontière entre les sciences et la société, eh bien c'est plutôt une profession, un métier particulier qui maintient cet espace intérieur. Dans ce contexte-là, effectivement, il est assez important de pouvoir disposer de processus, de dispositifs qui vont permettre cette coopération donc plus conjointe entre chercheurs et acteurs. Et donc le prisme que je prends, hein, c'est réellement celui des sciences en société. Dernier élément qui est lié également à cette évolution hein, des STS, notamment autour des forums hybrides de la démocratie technique qui ont été donc conceptualisé au tournant des années 2000, notamment par le Calon Lascoumet-Barthes, avec un livre fondateur qui s'appelle « Agir dans un monde incertain ». Donc ces forums hybrides, hein, par exemple, c'est les conventions, la Convention citoyenne sur le climat, qui a eu lieu il n'y a pas très longtemps. Alors c'est intéressant, effectivement, ces forums hybrides, pour l'appropriation des enjeux, émettre des recommandations,
La difficulté, c'est qu'est-ce qui se passe lorsque l'on a des zones d'ombre qui apparaissent et qui ne sont pas facilement résolvables par les connaissances actuelles. D'ailleurs, ça avait été assez bien mis en évidence aussi par les auteurs de ce livre « Agir dans un monde incertain », c'est-à-dire la faiblesse du comment, hein, la conférence, et c'est une des limites évidentes de la procédure, ne peut aller jusqu'à mettre en pratique une certaine forme de collaboration entre recherche de plein air et recherche confinée, la recherche en laboratoire. Et il me semble que la recherche participative eh bien, permet ce lien entre plein air et confinement. Alors, un certain nombre d'hypothèses au départ, c'est que effectivement, il est intéressant, il est, je pense, important de prendre au sérieux la capacité des configurations participatives pour traiter notamment de questions transversales, non disciplinaires, comme ce qu'on définit aujourd'hui les défis sociétaux, aussi bien sur des aspects socio-cognitifs ou de partage de pratiques, que sur des prises de décisions individuelles, collectives ou en rapport avec les politiques publiques, mais également de transformer finalement les rapports aux acteurs dominants aujourd'hui, que sont les acteurs économiques ou les acteurs étatiques. Deuxièmement, et comme je suis aussi universitaire, eh bien, c'est prendre en compte finalement les ressources de connaissances disciplinaires, mais ceci pour, par une confrontation, les dépasser. Et donc, la production aujourd'hui de scientifiques est extrêmement importante. Il serait dommage de se passer de cette production et donc de la nécessité du lien entre chercheurs et acteurs. Et ceci en pensant donc des dispositifs et des processus de coopération. Et enfin, et c'est peut-être une des limites, mais contextualiser fortement la problématique de recherche est une condition nécessaire pour pouvoir faire un traitement un peu interdisciplinaire ou transdisciplinaire d'une question de recherche, d'un objet de recherche. C'est-à-dire, si on reste sur des généralités, il est difficile finalement de produire des recherches intéressantes en termes interdisciplinaires. Alors, science et recherche participative, donc ce champ, je pense que vous l'avez déjà, enfin, il a été exposé plusieurs fois au cours du séminaire, donc je vais passer assez vite. Il y a eu plusieurs typologies, et c'est sur ça que je voulais peut-être un petit peu revenir. Les typologies, bon, elles sont essentiellement basées sur le niveau de participation, l'engagement des acteurs, qu'est-ce que ça produit, quel impact. Ça découle pour la plupart d'une échelle fondatrice, l'échelle d'Arsen en 69, qui définit plusieurs niveaux de la participation, hein, qui va simplement, on va dire, des aspects de manipulation, concertation, jusqu'à des aspects réellement de délégation de pouvoir ou de contrôle direct même sur les processus. Il y a une étude assez intéressante qui avait été produite en 2012 à partir de l'équipe de Bonnet, donc Schirk et Bonnet, à Cornell University, un centre d'écologie, hein, centré plutôt sur les thématiques liées à la conservation, la gestion environnementale, qui faisait donc des études, des analyses sur regarder un petit peu la participation, qu'est-ce que ça produit sur les résultats ou les impacts, avec deux métriques, quantitatives forcément, mais aussi une métrique plus qualitative. Et puis également, regarder le degré et la qualité de l'engagement, qu'est-ce que ça fait sur la portée des résultats. Et cette étude avait amené à construire cinq modèles, du contractuel jusqu'au collégial, qui caractérise un petit peu l'état de participation des parties prenantes dans le projet. Il y a une étude aussi intéressante sur les disciplines, une étude scientométrique par exemple en 2016, qui montre sur à peu près 2000 articles, une diversité quand même assez importante des façons de procéder en termes de sciences et de recherche participative.
On parle d'observation volontaire, d'épidémiologie populaire, etc. Mais il y a aussi d'autres identifications possibles, notamment à partir des mots-clés des articles, comme les sciences de l'information et de la géographique, technosciences civiques, audit citoyen, contrôle environnemental citoyen, voilà. Il y a aussi des termes qui sont en rapport avec science et participation et qui ne sont pas forcément très visibles du monde académique. Depuis les années 2010, on a une évolution importante de ces pratiques, notamment sans doute liée à l'évolution technique du numérique autour du web 2.0. Et il y a trois grandes catégories aujourd'hui, enfin trois grandes catégories à l'époque qui étaient développées, les sciences de la nature, les aspects de géographie et les sciences sociales et politiques. Voilà. Les auteurs avaient caractérisé, dit que la cartographie complète reste quand même difficile. En général, il y a une sous-exploitation finalement des données, une très forte contextualisation qui empêche la montée en généralisation et une visée qui est quand même assez fortement opérationnelle. Donc, quid de la recherche. Alors, peut-être pour un peu simplifier le paysage, j'ai tenté une typologie à partir du promoteur de la question de recherche, c'est-à-dire qui pose la question de recherche. Et finalement, quand on parle de sciences participatives, on est plutôt sur un mode de recherche collaborative où ce qui est important, c'est de collecter un grand nombre de données. Hein, ça découle directement de l'histoire des sciences, des amateurs de sciences, avec des phases de formation possibles. Et la question de recherche, elle est issue des scientifiques. À l'inverse, si on parle par exemple de sciences impliquées, comme l'évoque Koutelec par exemple, eh bien on est sur des recherches qui sont à portée de l'action, des recherches qui doivent être activables, qui peuvent être issues de mouvements de contestation avec généralement des objectifs de contre-expertise par exemple, c'est-à-dire on s'équipe de capteurs, on fait de mesures, on fait de la contre-expertise, ou alors des associations qui s'intéressent aux transformations sociales. Et la question de recherche, là, est issue de la société civile. Le mode de travail peut être assez proche, finalement, aussi de la recherche collaborative avec le monde économique, par exemple. Donc, voilà. Il me semble qu'aujourd'hui, il y a un challenge particulier sur les sciences en société avec les développements de recherche action participative pour ménager les intérêts des chercheurs, mais aussi les intérêts des acteurs, donc recherche action participative, pour coproduire un projet de recherche entre associations et équipes de recherche. Et cette fois-ci, la question de recherche est négociée entre les acteurs et les chercheurs. Alors pour ça, pour mettre en œuvre cette négociation, on est revenu sur un principe un petit peu ancien qui a émergé autour des années 70, 1975, première boutique des sciences à l'université d'Amsterdam, aux Pays-Bas, qui est un petit peu le foyer de développement de ces boutiques de sciences. Et en gros, l'objet principal de la boutique, c'est de recueillir la demande sociale de recherche, et la principale valeur ajoutée de ces dispositifs, c'est de savoir traduire cette demande en questionnement scientifique. Des boutiques de sciences, il y en a beaucoup aujourd'hui au niveau international, beaucoup en Europe du Nord. Elles peuvent être thématiques, elles sont très diverses. Thématiques, elles peuvent avoir des partenaires un petit peu différents, mais ce qui les caractérise, c'est essentiellement le processus. Et finalement, ce processus, c'est l'aspect finalement de généralisation d'un dispositif. Et vous verrez, ça résonnera après aussi sur l'aspect de généralisation des résultats de recherche. Donc, un processus qui est travailler sur l'émergence de la demande, sur la demande, se rendre visible
du corps social, recueillir donc ces demandes, les traiter, les filtrer. Est-ce que il peut y avoir une question de recherche dans cette demande? La problématique est assez large. Est-ce qu'il y a plusieurs questions de recherche qui peuvent être adressées? Comment la prioriser, les prioriser? Est-ce que ça n'est qu'une étude bibliographique? Est-ce qu'on a besoin que d'une expertise et on renvoie aux bons interlocuteurs? Et puis il y a la phase de traduction et de problématisation, donc, qui se fait au travers du personnel de la boutique des sciences, qui va s'adjoindre un conseil scientifique pluripartite, c'est-à-dire qui va regrouper des scientifiques, mais aussi des acteurs du monde social, pour éventuellement faire une sélection des demandes en fonction, par exemple, des moyens de la boutique des sciences. On va écrire le projet en associant un chercheur d'une discipline donc identifié par rapport au projet, éventuellement rédiger un sujet de stage pour des étudiants de master ou un sujet de thèse pour des étudiants de thèse. Et on va donc travailler à la résolution de la question avec le soutien de la boutique des sciences, présenter les résultats, donc un mémoire académique. Mais on peut demander aussi aux acteurs chercheurs de produire une version synthétique, vulgarisée, de la recherche à destination des acteurs. Et puis, on a une phase d'évaluation de ces recherches. Voilà. Alors, la boutique de sciences de l'Université de Lille, donc, elle fonctionne à partir aujourd'hui d'un appel à manifestation d'intérêt qu'on lance donc tous les ans. Les acteurs qui sont autour de la boutique des sciences, eh bien, c'est les demandeurs qui aujourd'hui sont des associations, des collectifs. En tout cas, on a commencé avec ces acteurs-là. Aujourd'hui, depuis 2 ans, on a un partenariat avec l'ADEME et on s'intéresse également au questionnement des collectivités territoriales. Ces partenaires apportent leur expertise de terrain. Elles vont accueillir un étudiant, par exemple, en stage. Et ces étudiants font partie donc du pool chercheur. Hein. Ces étudiants qui s'engagent dans ces stages travaillent sur le terrain et font le lien entre les acteurs et les chercheurs qui encadrent et apportent leur expertise scientifiques par rapport au projet. Au centre, il y a l'accompagnement donc de cette co-recherche par le dispositif, donc pour essayer de travailler réellement, et c'était notre volonté initiale, de co-construire au départ les questions de recherche, étant entendu que cette co-construction est aussi un gage d'engagement, par exemple, des acteurs dans le processus de recherche. Et de plus en plus, on organise et on anime la coopération en faisant des apports méthodologiques sur cette coopération chercheur-acteur. Et on soutient donc la valorisation des travaux. Alors, pour un peu montrer le processus et pour prendre en compte aussi les questions, par exemple, de temporalité liées aux recherches participatives, qui sont un paramètre qui est assez important dans ce type de démarche, eh bien, j'ai mis le processus un petit peu sur lequel on travaille à la boutique des sciences, qui démarre à l'année N, à peu près à l'hiver, sur le recueil des demandes. Hein, on lance l'AMI et on recueille donc les demandes de recherche, les demandes de les problématiques. On fait ensuite un premier échange, un atelier en fait avec tous ces demandeurs pour préciser ce qu'est la recherche participative, comment on compte travailler, sur quelle temporalité en première instance. En général, donc on perd quelques demandes. On a à peu près une trentaine de demandes au départ. On en reçoit une vingtaine, on va dire, à peu près. On commence à travailler avec eux sur la traduction de leurs problématiques. Et éventuellement, si la traduction est relativement simple, on peut adresser assez vite
à des chercheurs. Et puis, pour finir, donc, cette question. On réalise également, pour ça, des ateliers collectifs chercheurs-acteurs à partir d'une méthodologie que je décrirai un petit peu après, qui est vraiment basée sur remue-ménage, enfin un brainstorming, quels sont les enjeux des uns et des autres, enfin faire sortir les intérêts des chercheurs, les intérêts des acteurs, et comment cette combinaison des deux va permettre de définir une question. Ensuite, au cours de l'été, donc, et plutôt à l'automne de cette année N, on rédige donc un sujet de stage, de master, par exemple. On travaille beaucoup avec les masters 2, hein, on est sur une phase d'émergence de questions de recherche. Et lorsque on a ce collectif de recherche, eh bien, on va démarrer la recherche au démarrage du stage de l'étudiant, en général, février, mars, jusque juillet, jusque septembre. L'étudiant est à temps plein pendant 6 mois sur cette question. Fin janvier, début février, on organise 2 jours de travaux collectifs, c'est-à-dire on réunit l'ensemble des projets. On a 5 à 6 projets financés par an. On réunit tous ces projets, chercheurs, associations, étudiants. Et on va donc faire de l'interconnaissance entre ces projets, mais aussi travailler de façon concrète sur les projets à partir de notre méthodologie. On a donc 3 points de rencontre obligatoires, le démarrage, un point intermédiaire, et puis une rencontre à la fin. Il y a les rendus donc académiques, le mémoire de stage. On demande à l'étudiant de produire aussi une synthèse à destination des acteurs et de faire un rendu public de ses recherches avec le demandeur sur un de ces événements, par exemple. Et on fait également à la sortie un atelier collectif qui va mettre un petit peu en visibilité ce qui s'est produit. On invite nos financeurs, par exemple, au cours de cet atelier collectif. Alors, ce que je voulais mettre un petit peu en avant sur ce processus, hein, vous voyez, à peu près 18 mois, pour simplement faire émerger la question, commencer à travailler, voir la faisabilité, voir comment le collectif de recherche fonctionne. Et ensuite, on va dire, à charge pour eux d'aller plus loin. Et aujourd'hui, c'est possible, puisqu'on a des programmes dédiés de l'ANR, par exemple, Sciences avec pour la société. Il y a eu CO3, co-construction des connaissances à l'ADEME. Il y a eu des programmes régionaux. Donc, voilà, on espère que cette dynamique de création de programmes se poursuive. Il y a une deuxième paramètre important, c'est le lieu. Donc, ce lieu, pour la boutique des sciences, hein, c'est simplement cette possibilité de faire se rencontrer chercheurs, acteurs, discuter de la question. Ça peut être aussi un lieu immatériel en fonction des dispositifs, voilà. Et puis, dernier point, paramètre important, c'est la posture. La posture, aussi bien des chercheurs que des acteurs. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir, finalement, vis-à-vis, par rapport aux chercheurs, de position dominante par rapport à l'acteur. Et l'acteur ne doit pas non plus, ne doit pas être uniquement en demande, mais aussi acteur de la recherche. Donc ça, c'est des postures qui est nécessaire, finalement, de travailler, hein, c'est par rapport à notre expérience et ce retour, que cette question de la posture, elle est importante. Et effectivement, on a de plus en plus la demande de nos partenaires pour qu'on intervienne davantage dans l'accompagnement de la recherche participative, surtout si le chercheur souhaite rester en position, on va dire, de chercheur, position externe par rapport à la recherche, et donc se placé en position d'apport de connaissances. Donc j'en viens aux aspects méthodologiques et on s'ancre donc dans un principe, une approche hein, qui est extrêmement générale. Il y a énormément de méthodologies pour travailler cette approche de recherche, action,
participative. Alors, peut-être que ce schéma peut aider. On a trois pôles, la recherche, l'action ou la participation, qui sont qui vivent leur vie de façon indépendante, sans problème, hein, recherche fondamentale, l'action au sein d'une association, voilà. Il y a de plus en plus d'interactions bilatérales entre ces pôles, entre la recherche et l'action, bien, la recherche-action au sens sciences sociales, qui travaille beaucoup sur la transformation sociale, mais on pourrait y placer également, me semble-t-il, les sciences industrielles, les start-up, qui sont réellement, à partir de savoir scientifique, eh bien, créer de l'activité économique. Donc, on est vraiment sur le principe de recherche et d'action. Entre action et participation, on peut avoir les Living Lab, Fab Lab, ces choses qui se sont développées aujourd'hui, mais aussi les aspects de culture scientifique et technique ou d'éducation populaire. Et entre recherche et participation, eh bien, il y a la recherche participative, collaborative, sciences participatives, mais on peut y placer aussi, par exemple, les recherches biomédicales, c'est-à-dire en lien avec des associations de patients. La difficulté, c'est effectivement d'essayer de réunir dans une méthodologie ces trois pôles de recherche, action, participative, c'est-à-dire coproduire des connaissances par la recherche pour les appliquer à des problématiques concrètes dans l'action, en impliquant des citoyens au travers de leur participation active à toutes les étapes du projet. Alors, on a travaillé avec un groupement de recherche du CNRS qui s'était monté, donc PARCS, c'est l'acronyme anglais pour Recherche Action Participative et Sciences Citoyennes, qui s'était monté en 2013 à Montpellier, avec ma collègue Sylvie Blangy. Et on a travaillé à partir des travaux de Jacques Chevalier et Daniel Buckles du Canada, qui ont développé une ingénierie participative, on peut parler véritablement d'ingénierie, à partir de 50 outils. Et ces outils, en fait, sont à agencer en fonction du contexte. C'est ça, en fait, la difficulté, c'est-à-dire pour celui qui va faciliter ou accompagner la recherche participative qui est extérieure donc à la recherche, comment je vais agencer ces outils pour faire exprimer une problématique et la définir en question de recherche, comment je vais faire travailler ensemble chercheurs et acteurs pour enrichir l'analyse, pour mettre en avant les résultats, pour coécrire. Alors par exemple là, ce que j'ai mis, hein, c'est un processus qui permet d'aboutir à une problématique de recherche à partir d'un brainstorming, créer des groupes de travail en fonction des intérêts des uns et des autres, faire une première réflexion croisée entre ces groupes de travail, regarder des facteurs qui facilitent les leviers, les freins qui sont visibles et qui vont freiner une recherche, par exemple, ou favoriser une recherche. Donc on va s'orienter vers quelque chose qui est plus faisable que d'autres, et puis forcément aussi une donnée importante qui est l'analyse d'acteurs. Donc, l'interaction chercheur-acteur, je vais passer très vite. Donc les acteurs, hein, pour nous aujourd'hui essentiellement, c'est les associatifs, des salariés, les bénévoles, des habitants de collectifs, des conseillers de quartier, mais aussi des praticiens, par exemple dans le secteur de l'éducation ou en psychologie, des représentants aussi aujourd'hui de collectivités territoriales. Et la fonction, c'est bien la mise en visibilité de problématiques, l'apport de savoir expérientiel de terrain, l'apport de données, bien sûr, d'enrichir l'analyse et de mieux s'approprier aussi les connaissances pour l'action. Les chercheurs, c'est ceux d'organismes, enseignants-chercheurs, ingénieurs de recherche, les étudiants en master, éventuellement aussi des étudiants en doctorat. Et les fonctions, c'est de co-construire donc la question de recherche, de proposer des méthodologies d'enquête pour la collecte de données, l'analyse, publication, valorisation. Le positionnement donc
de la recherche interroge nécessairement donc le chercheur, et en gros, on a deux positions aujourd'hui qui se dessinent, qui sont eh bien déjà un chercheur qui est assez impliqué sur sa thématique de recherche, qui va acquérir un certain nombre de fonctions, d'animation, d'ingénierie de la participation. Ça, c'est une possibilité. Pour ce qui concerne la boutique, je dois dire que c'est plutôt cette deuxième posture qui est présente, qui est un chercheur qui va rester en position extérieure, donc un apport disciplinaire, en impliquant donc un tiers, qui est un tiers accompagnateur, qui peut aussi apporter éventuellement des méthodologies, telles qu'on peut le faire. Et effectivement, le positionnement de la boutique des sciences est sur cet accompagnement actif. L'intérêt aussi de cet accompagnement actif, c'est peut-être de développer davantage ces démarches de recherche participative, avec des points de vigilance qui sont à observer sur tout le processus, aussi bien avant le démarrage, c'est-à-dire faire la co-construction le plus tôt possible, même avant de démarrer le projet, qu'on passe du temps ensemble pour définir cette problématique. Bien voir, par exemple, au niveau associatif, que la demande est bien ascendante. Il nous est arrivé d'avoir des demandes de salariés sans que le conseil d'administration de l'association soit au courant, par exemple. Et ça peut poser problème forcément au cours du processus. Bien voir le bon niveau de recrutement pour les étudiants. On a une charte sur laquelle doivent travailler les acteurs et chercheurs donc, qu'on présente au démarrage, redire les enjeux de temporalité. Pendant, eh bien, c'est en fonction au cas par cas des demandes, eh bien, on peut intervenir dans la fluidité du travail. Et puis après, le rendu public donc, des résultats, qui finalement n'est pas aussi simple que ce qu'on pourrait le penser au départ, en tout cas pour nous. Puisque, effectivement, si des résultats ne sont pas pile-poil dans les a priori, eh bien, ça peut poser problème en termes de présentation. Et enfin, je ne sais pas si j'ai un peu de temps, je vais déborder un petit peu. Quels sont les enseignements? Eh bien, elle pourrait la décliner en cinq axes. D'abord, l'accompagnement, effectivement. Pourquoi? Parce que la coopération, eh bien, ne va pas de soi, qu'il faut effectivement négocier la question de recherche en fonction des intérêts des uns et des autres. Ça, je pense, important pour l'engagement. Et que cet accompagnement, eh bien, il a une valeur ajoutée si cet accompagnateur connaît bien les deux univers sociaux différents que sont le monde de la recherche et le monde social. Et à mon avis, peut-être, cela tend vers l'émergence d'un nouveau métier. Accompagnement. Deuxièmement, incubation. Eh bien, c'est ce que je disais. Dans les programmes de recherche participative, par exemple celui de l'ANR, SAPS, hein, aujourd'hui, on a une phase d'émergence et une phase consolidée. Donc la boutique des sciences, on intervient un peu sur cette phase d'émergence pour faire incuber donc une question de recherche, un collectif de recherche qui peut donc ensuite s'adresser à des financements plus importants. Ça permet aussi aux acteurs de prendre en compte les aspects de temporalité. Troisième axe, c'est formation et recherche. Donc, effectivement, un appui à l'ingénierie de recherche participative. Et on développe, nous, des recherches. Hein, quand j'évoque les ateliers collectifs de projets, finalement, on fait une formation action autour de cette recherche participative. On fait de la formation pour le personnel, on a un atelier pour les doctorants, pour l'école doctorale, voilà. Et cette formation et recherche, c'est bien mettre en avant qu'on est au-delà uniquement de l'animation. L'animation sont des outils qui sont importants, mais pas suffisants, à notre sens, pour faire coopérer. Donc intégrer aussi des outils qui vont permettre, par exemple, de faire de la co-analyse ou qui vont permettre d'écrire ensemble un article. Et puis, bien sûr, d'anticiper les développements futurs. Une structure stable comme la boutique des sciences, ça permet de quoi faire? Ça permet de capitaliser un certain nombre d'expériences.
Et donc, il est important de documenter. Tous nos projets sont documentés, forcément. Et l'enjeu, donc, c'est faire émerger finalement des problématiques sans doute plus générales à partir d'une myriade de recherches situées. C'est-à-dire cette capitalisation, en quoi, à partir de cette myriade de projets, va dessiner finalement des questionnements plus généraux. Et enfin, constituer éventuellement aussi des équipes de recherche dédiées autour de ce dispositif. Et donc, en gros, pour terminer, créer un écosystème participatif au même sens qu'il existe aujourd'hui un écosystème de l'innovation linéaire, du transfert de technologie. Pourquoi ? Parce qu'il convient aujourd'hui de penser ce qu'on appelle les défis sociétaux, en fait, qui sont des questions transversales de recherche. Et puis, à mon sens, des structures pérennes dans les universités seraient un gros atout, non seulement pour les universités, non seulement pour les territoires, mais aussi pour éventuellement à des chercheurs développer des thèmes un petit peu originaux, issus de, de problèmes concrets. Voilà, donc l'intérêt des boutiques de sciences pour l'accompagnement, dispositif stable, donc c'est un soutien administratif et financier. On a une démarche volontariste de stimulation de la demande sociale de recherche. On forme, on fait de l'échange de pratiques, de la mise en posture des acteurs, avec un certain nombre d'impacts. Contribue à élargir les thèmes de la recherche participative. On contribue aux évolutions méthodologiques de la recherche action participative par l'expérience. La recherche action participative aussi comme orientation responsable en matière de recherche innovation, on est inclus dans le service de valorisation économique et sociétale de l'université. Donc c'est quelque chose qui nous importe. Avec le processus au centre des préoccupations plus que les résultats, pour exprimer donc ces défis sociétaux par des questions transversales peu étudiées. C'est le champ de la science non faite, hein, qui peuvent mettre des problématiques en évidence. Donc, à mon avis, un axe majeur pour la troisième mission des universités, pour une montée en généralité des expériences locales. Et les perspectives aujourd'hui, eh bien, on commence à accompagner des projets en phase 2 de l'ANR SAPS, par exemple, mais aussi, on a eu, il y a à peu près 2 ans et demi, la venue de l'ADEME, qui est intéressée par notre approche sur ces thématiques à elle liées à la transition écologique et sociale, avec une visée vers les collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'on va se comporter, nous, vis-à-vis des collectivités territoriales, comme vis-à-vis des associations, en mettant aussi l'accent, par rapport à ces collectivités, qu'il existe sans doute sur le territoire des acteurs qui seraient intéressants aussi à mettre dans la boucle d'une recherche participative. Voilà. Quelques références, je vous les laisse. Je vais m'arrêter là. J'ai un petit peu débranché, je suis désolé.